en direct de Lorient. On est la veille du départ, on part demain matin à 10h45, pardon, c'était 9h45 TU, mais en local ça fait 10h45. On quittera le ponton à 8h30 demain matin. Et comme vous voyez, l'orienté se dépasse en nombre pour venir nous voir. C'est sympa. Il se balade. Pourtant, il fait pas très beau, hein. Il y a des grains. Là, ça fait un moment qu'il a pas plu, mais tout à l'heure, il pleuvait. Il y a eu un gros grain qui est passé. Et l'orienté, il se balade en famille, là, c'est cool. Il vient de nous voir. Bon, demain, départ, 8h30 du ponton. 10h30. 10h30 départ à la pointe du talus. C'est retransmis d'ailleurs, j'ai appris. Voilà. On va se faire. On va se faire une traversée du golfe tonique, hein, ma foi, parce que ils annoncent 20-25 nœuds. Ils annoncent 20-25 nœuds de vent avec des petites claques à 30. Ça va être bien tonique. Bon, en fait, l'enjeu, ça va être surtout d'arriver vite au Cap Finistère. Parce qu'au Cap Finistère, on a une petite dépression qui vient nous rencontrer. Et il faut qu'on arrive à s'échapper dans le sud avant qu'elle nous barre le passage. Bon, il y a une petite option pour aller faire le con à droite, là, mais je la sens pas très bien. Bon, on verra. Pour l'instant, voilà. Et avant ça, il y a un petit alouette au milieu du golfe à passer. Donc il y a une petite incertitude sur cette position là. Donc il va y avoir 2-3 trucs à jouer. Et puis après, on verra. Mais il y a de bonnes chances pour qu'on descende le long du Portugal, le long de l'Afrique, pour aller sur les Canaries, prendre le sud. Bon, il y a une petite option qui nous emmène sur Madère, jouer au nord là. Mais ça me rappelle trop la Cap Martinique l'année dernière. Il y a un mec qui a fait le con comme ça, a joué trop nord. Donc on va pas... On verra, mais ça a le temps, hein, c'est assez loin, c'est dans 10 jours. Les décisions météorologiques de 10 jours ne sont sûrement pas prises encore maintenant. Donc voilà. Bon allez, souhaitez-nous bonne chance. Pour l'instant, le bateau est prêt. On n'a plus qu'à aller chercher un peu de bouffe, un peu de frais. Là, il y a le casino qui est ouvert le dimanche après-midi, heureusement. Et après, on est prêt à partir. Hein. On a tout checké, tout. Là, on est corrigé dans le mat tout à l'heure. Tout est nickel. Il fait beau à Lorient. C'est sympa. Il y a notre ami Xavier là qui est en train de se faire interroger par je sais pas qui. Voilà. Moi, je suis peinard. Il n'y a personne qui va m'interroger. Bon, c'est pas vrai. Au Havre, on a eu de la chance de passer à la téloche et tout. C'était sympa. Donc voilà les conditions du départ. Ça va être tonique demain quand même, 20 nœuds. Et puis voilà. Bon allez, je vous dis, on essaiera de vous donner des nouvelles, hein, lundi, là quand on sera sorti de Groix, tout ça là. On essaiera de faire une petite vidéo pour vous dire comment ça s'est passé le départ. Savoir si on est bien dans le match ou pas. Bon, le coup c'est d'aller vite et de rester dans le match. C'est ça. Comme on a fait sur la première étape, ne pas se laisser décrocher par les autres. Surtout, rester bien attentif à notre vitesse. Et ça se passera bien. Et après, être dans les bonnes options. Bon, allez, la bise à tout le monde. Et puis, à la prochaine. Bise, bise. Ciao.